qu'on attend de la fédération en tant qu'organisateur, juge, cavalier, c'est qu'on ait des règlements qui soient simples, faciles à adapter et que bien sûr on soit bien accompagné par notre fédération. Anne de Sainte-Marie l'avait convenu avec moi de venir ici à Uzès voir rencontrer les cavaliers, les organisateurs, les juges, les vétérinaires. Donc elle discute avec tout le monde, tout ce qu'il faudrait vraiment mettre en place pour arriver à avoir un règlement et une discipline qui se comporte très bien. L'endurance, c'est la première discipline non olympique au sein de la Fédération française d'équitation. C'est également la discipline qui est la plus grande pourvoyeuse de médailles au niveau international, sur tous les championnats d'Europe et du monde. Elle contribue donc au rayonnement de l'équipe de France et de l'équitation française dans le monde. L'équitation est donc servie par cette discipline et il faut que la fédération reconnaisse cette discipline à sa juste valeur et également serve les intérêts des cavaliers, des propriétaires, des entraîneurs en les représentant au niveau national et au niveau international à la Fédération équestre internationale. Ensuite, lorsqu'on parle de la pratique au quotidien, l'endurance est une formidable discipline d'extérieur qui emmène les cavaliers et les chevaux sur les chemins et qui permet donc notamment d'avoir un projet pour des propriétaires indépendants qui ont des chevaux chez eux et qui peuvent, à travers cette discipline, se fédérer autour d'une pratique de club puis amateur.